Maintenant, nous discutons des lois du royaume. Que à chaque fois que vous voyez la puissance de Dieu activée dans la vie d'un homme, d'une manière prévisible et de plus en plus augmentée, il n'y a pas de hasard là-bas. Il doit y avoir une activation. Vous savez, la maîtrise est mesurée en consistance. Personne n'est jamais récompensé pour avoir fait quelque chose d'une manière professionnelle pour une seule fois. Vous devez le faire pendant une longue période. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. La Bible dit que celui qui s'efforce pour la maîtrise n'est pas couronné, à moins qu'il le fasse suivant les règles. Open our eyes in the name of Jesus. Ouvre nos yeux au nom de Jésus. Law number one. Loi numéro 1. That any believer who seeks to truly walk in power. Que chaque croyant qui cherche de marcher vraiment dans la puissance. Genuine spiritual power. La puissance spirituelle vraie. Must subscribe to the law of spiritual illumination. Doit souscrire à la loi de l'illumination spirituelle. Law number one. Loi numéro 1. The first spiritual law that controls the manifestation. La première loi spirituelle qui contrôle les manifestations of power in the life of a believer. De la puissance dans la vie d'un croyant. It's called the law of spiritual illumination. Ça s'appelle la loi de l'illumination spirituelle. Genesis chapter 13, from verse 14 to 17. Genèse chapitre 13 à partir du verset 14 au verset 17. There is a relationship between your sight, the light that comes from it, translated to knowledge, and then your walking in power. Yes. Il y a une relation entre votre vue, la lumière, ce que vous voyez, et cela se traduit en connaissance. What he told Abraham. Regardez ce qu'il dit à Abraham. After Lot had separated from him, he said, "Lift up your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward." Après que Lot fut séparé de lui, il dit, "Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident." 15. For the land which you see, not the land which is available. Le verset 15. Car tout le pays que tu vois, non pas le pays qui est disponible. It is the one you see that I will give unto you. C'est celle que tu vois que je vais te donner. And your descendants. Et à ta descendance. Lift up your eyes and see. Relève tes yeux et regarde. The part of scripture that you see, la partie des écritures que tu vois, is the one I will give unto you. C'est celle-là que je vais te donner. Not what I am able to do. Non pas parce ce que je suis capable de faire, the one you see, mais celle que tu vois. If you only see healer, si tu vois seulement un guérisseur, you can only reveal him as healer. Tu vas le révéler seulement comme un guérisseur. You will be surprised that you will be a powerful healer. Tu seras surpris que tu seras un guérisseur puissant. Et tu seras brisé, tu vas souffrir. Comme si Jésus avait menti à propos de la prospérité. Parce que c'est là le domaine où tu peux voir. Si tu le vois comme un Dieu qui restaure, tu vas expérimenter la restauration. And nothing else but restoration. Et rien d'autre mais la restauration. This is why he defined the scope of your sight. C'est pour cela qu'il a défini la portée de ta vue. Don't see northward alone.
Ne regarde pas vers le nord seulement. Ne regarde pas vers le sud seulement. Ce sont les déséquilibres. Il dit, rassure-toi que tu élargis la portée de ta vue. Regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde vers l'est. Ne regarde pas seulement un guérisseur. Tu dois le connaître comme un pourvoyeur. Tu dois le voir comme un éleveur. Tu dois capturer aussi beaucoup de dimensions de lui que ta vue peut capturer. Parce que si l'un que tu puisses voir, il te sera donné. Il serait mieux si cela s'arrête avec toi. Il dit, te sera donné aussi à ta postérité. Ça veut dire que si je limite ma vue et mes perspectives, que tout, ça veut dire que toutes les personnes que je vais mentorer, je vais les mentorer de mes limites. Et ils vont te suivre. Lève tes yeux. Sommes-nous bénis maintenant? Alléluia. Numéro 2. La deuxième loi spirituelle qui gouverne la manifestation de la puissance dans la vie d'un croyant. S'il vous plaît, prêtez attention, ceci c'est une loi très importante. Ça s'appelle la loi de la soumission. La loi de la soumission. Jacques chapitre 4 verset 7 s'il vous plaît. Jacques chapitre 4 verset 7. Lisons ensemble. Êtes-vous prêts? 1, 2, lisons. Soumettez-vous donc à Dieu. Est-ce que vous voyez un point là-bas? Point. Submit yourselves, therefore, to God. Soumettez-vous donc à Dieu. Then it now says, resist the devil. Et maintenant, il dit, résistez au diable. À partir du point où vous tenez, vous soumettez à Dieu. Et il vous laisse avec une assurance. Consistant avec Genèse, rappelez-vous. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Alors lorsque vous résistez au diable et qu'il ne s'enfuit pas, le problème n'est pas le diable. Le problème dépend de la position où vous vous tenez, vous résistez à lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis maintenant? Il dit, soumettez-vous donc. Rappelez-vous que l'intention d'être libre du diable. Mais il dit, commence par te soumettre donc à Dieu. Et résiste au diable. Et il fuira l'un de vous. Écrivez ceci. Vous êtes seulement aussi puissant comme vos relations avec les autorités qui vous envoient, qui vous soutiennent. Vous êtes aussi puissant comme vos relations avec les autorités qui vous envoient et qui vous soutiennent. If I told you right now, or if you saw a picture,
si je vous dis maintenant, ou bien si vous voyez une image of me and the US Secretary of State, avec de moi et avec le secrétaire des États-Unis, would that make any effect? Est-ce que cela fera un effet? Or would that create any effect on your perception? Est-ce que cela va créer un effet sur votre perception? Supposons que vous essayez de chercher un visa pour les États-Unis. Et vous me voyez prendre une photo avec le consulat des États-Unis. Le général qui est ici au Nigeria. Et probablement celui qui est en charge de l'Afrique. Et vous me voyez une fois encore prendre une photo avec le secrétaire d'État. Would you want to know me? Est-ce que vous allez vouloir me connaître? Would you respect me? Est-ce que vous allez me respecter? Why? Pourquoi? Because the fact that I have this level of proximity with them. Parce que le fait que j'ai ce niveau de proximité avec eux. Enough to have a photo. It tells you that you can leverage on that relationship. Jusqu'à prendre une photo avec eux, cela vous dit que vous pouvez profiter de cette relation. Lorsque les gens disent qu'ils sont proches des gouvernements, ou ils sont proches du pouvoir, de la puissance, comme nous le disons, même si nous ne les aimons pas, nous semblons les respecter. Vous êtes aussi puissant comme votre relation avec les autorités qui vous envoient et qui vous soutiennent. Que à chaque fois que la puissance spirituelle est loin de votre vie, cela vous dit également votre niveau de relation avec les autorités qui vous envoient et que les autorités qui vous soutiennent. Dans toutes les nations, il y a des gens, peu importe leur niveau politique. Nous disons que celui-ci est proche du président. Nous disons que celui-ci est proche du premier ministre. Et vous serez surpris que la personne officielle que vous êtes supposé rencontrer, vous pouvez contourner cette personne. Parce que vous cherchez les résultats. Vous allez rencontrer même une petite fille, tout simplement parce que c'est elle qui est la fille du président. Est-ce vrai? Et vous parlez avec elle alors que officiellement il y a un principe que vous devez suivre. Et la fille va dire, ok, permets que je parle à mon papa pour vous. Et il parle et dit, oui, j'ai parlé à mon père. Il dit, viens et venez le voir demain. Et tout le monde se met en colère. Tu n'as pas suivi le vrai processus. Il m'a demandé de venir. Est-ce que vous comprenez maintenant? Écoutez-moi. La soumission, c'est un mystère très puissant qui n'a pas été compris dans le corps du Christ. Qu'il n'y a pas d'individu qui a soutenu la puissance à l'intérieur de lui-même. J'ai enseigné ici, si je me rappelle bien, que la nature de la domination qui nous a été donné en tant que croyant, ce n'est pas une domination absolue. Il y a deux niveaux de domination. Il y a une domination absolue et il y a une domination commune. Est-ce vrai? Alors la domination que les saints ont reçue, ce n'est pas une domination absolue.
C'est une domination commune. La domination commune, c'est un peu comme la lumière que vous avez dans votre maison. Vous avez la lumière, mais la compagnie qui soutient la puissance n'est pas de vous. Il le génère. Vous avez la lumière et vous pouvez même aider quelqu'un par les limites de votre partenariat avec eux. Est-ce vrai? Le jour où votre relation avec eux va d'une manière mauvaise, qu'est-ce qui se passe? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Thanks for watching till the end. Don't forget to subscribe and activate the bell of notification for more videos. Thank you.